Vous avez encore 5 minutes ? Ce soir, nous sommes à Flaine ! Oh là là ! Ce moment où t'as intérêt à être marrant après. Ce moment où tout le monde fait ah et voilà. Flaine, c'est je tourne la vidéo ce soir parce que demain je ne joue pas. Et alors ça va être bizarre à expliquer aux gens parce que vous regardez la vidéo, on est samedi. Donc ça veut dire que hier j'ai pas joué. Donc ça veut dire que j'ai enregistré la vidéo avant-hier. Si vous faites bien le calcul, on est ce soir le soir de la Saint-Valentin. Et c'est vrai que pour moi c'est une fête hyper importante parce que c'est la fête des amoureux. J'avais très envie de la passer avec 500 inconnus. Que ouais, j'espère que c'est clair pour tout le monde ce soir, on baise les gars. Hein. Ah oui, rien à foutre. Je me suis fait 5 heures de TGV, c'est pas pour me branler dans une chambre d'hôtel des années 70 face à une sculpture de Picasso. D'ailleurs, j'en profite pour dire, puisqu'on est en direct sur Facebook, vous aussi participez à cette soirée. Envoyez-nous vos photos avec le hashtag je garde les enfants. Okay, bah, c'est le hashtag de la soirée. Quelqu'un est arrivé en retard en disant moi je garde les enfants et l'autre est arrivé en disant Du coup, vous m'avez dit, il y a des gens qui fêtent la Saint-Valentin ce soir dans la salle ? Oui ! Je fête pas la Saint-Valentin, moi, je la fête pas, on la fête pas à la maison, on s'en fout complètement, ça fait 19 ans qu'on est ensemble, on est mariés. En vrai, il y a beaucoup trop de fêtes chez nous, c'est ça le vrai problème, on est mariés, donc faut fêter notre anniversaire de mariage, notre anniversaire de rencontre, ensuite notre anniversaire à elle et à moi, ensuite l'anniversaire de notre premier enfant, de notre deuxième, il y a un jour dans l'année où on est peinard, c'est le 14 février, d'accord ? Ne m'oblige pas à faire la fête, ça m'énerve. Et puis en fait, ce concept me... Je comprends pas l'idée exactement de la Saint-Valentin, parce que c'est une fête pour les amoureux, d'accord, mais ça veut dire si t'es célibataire, bon bah c'est pas pour toi. Ensuite, si t'es avec quelqu'un et que tu l'aimes, a priori c'est déjà la fête tous les jours, c'est pas la peine de... tu vois. Donc en fait, d'après mon analyse, la Saint-Valentin c'est vraiment pour les gens qui sont en couple, mais qui ont un doute. C'est eux qui font, tu vois. C'est pour ça que je veux pas la fêter, moi, la Saint-Valentin. J'ai trop peur de me retrouver face à ma femme et que toute la soirée elle me regarde en disant « Oh là là, ah ouais, d'accord. » D'accord, donc je suis marié avec ça, putain, d'accord. Avec moi en face, ce serait bien que t'arrêtes de parler à haute voix, les gens nous entendent. Bon, en tout cas, il y a un mec qui a essayé de faire un beau cadeau à sa femme, c'est le mec qui a volé 3 millions d'euros. Vous avez vu ça, le convoyeur de fond? Alors, on savait pas qu'il avait volé 3 millions d'euros. En fait, il était dans sa camionnette, comme ça, blindé, avec deux autres collègues. Les collègues sont allés chercher un truc à la banque, je sais pas quoi. Et quand ils sont revenus, il y avait plus la camionnette. Et tout le monde a fait « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh là là! On l'a kidnappé !» Et deux jours après, enfin même pas, le lendemain, on l'a retrouvé à Amiens. Alors, quand ta cavale termine à Amiens, c'est que je pense vraiment qu'elle a pas duré assez longtemps, tu vois. Je veux pas croire que c'était l'objectif final. Je veux pas croire que le mec, ça fait un an qu'il prépare son coup en faisant « Mon plan est génial. Si tout se passe bien la semaine prochaine, je serai libre, enfin libre de choisir ma vie de rêve à Amiens. » Là, je pense que si ton but, c'est d'aller à Amiens, c'est pas ça ta voix. Ta voix, c'est « Je vais aller à Amiens et ça va être trop bien !» Et le mec, il a donc volé 3 millions d'euros, quoi. C'est incroyable. Hein. Je sais même pas si j'aurais eu le courage de faire ça, 3 millions d'euros. Comment tu le justifies déjà, hein? Tu rentres chez toi avec les sacs. Coucou. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est je t'avais dit, tu sais, j'ai des RTT qui m'avaient pas payé. En fait, j'avais pas laissé mon RIB, alors. Donc il a terminé à Amiens. Et pourquoi il a terminé à Amiens? Parce qu'en fait, c'est de là qu'il est originaire. Je crois qu'on est sur un vrai professionnel de la cabale. Donc le mec est de Amiens, ensuite il avait bossé à Paris et il s'est planqué re à Amiens. Mais qui est tu viens de voler 3 millions d'euros, disparaît. Il est en train de jouer à cache-cache lui. Moi je pense que les filles qui sont arrivées ont frappé, toc toc. Y'a quelqu'un? Non. Bah si, on vous entend quand même. Non non, c'est pas moi. Après ils ont enfoncé la porte, ils ont vu un mec derrière un rideau avec les pieds qui dépassent. Mais c'est vous! Ah! Vous m'avez eu! Vous êtes trop fort! Allez, maintenant c'est moi qui colle! Hein? Et d'ailleurs, si jamais je. Comme vous voulez. J'ai vraiment senti. C'est vous les patrons! Puisque cette semaine, on est dans la semaine des gens discrets, j'aimerais rendre hommage à ce professeur aux Pays-Bas qui a perdu son job parce qu'il a regardé du porno pendant ses heures de cours. En fait, a priori, il était tranquille, c'est-à-dire que les élèves devant lui travaillaient, lui avait son ordinateur, puis à un moment, il s'est dit qui va le voir? Il va sur Internet, et en fait, son écran était relié au vidéoprojecteur. Oh. Et les élèves, ils ont filmé. Oh.
Ce moment, imagine-toi juste, où tu relèves le visage et tu tombes sur tous tes élèves avec leur portable comme ça. Et tu te dis, il se passe beaucoup de choses pas prévues aujourd'hui. Les mammifères. Chapitre 2, les mammifères. Bah, prenez des notes. L'humain est donc un animal qui vit en meute, hein, comme vous pouvez le constater. Et qu'il y a des activités telles que éjaculer sur le visage des gens. Bon, allez, fin de l'exposé. Tout le monde a pris des notes, c'est bien, parce que demain, interro oral. Écrite. Si vous avez besoin de réviser, vous rentrez chez vous, vous allez sur Internet, n'oubliez pas le hashtag « Je garde les enfants ». C'est le hashtag de la soirée. Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.